Salut la gang de Soyons le Changement, François ici. Je suis très heureux de vous partager le défi numéro 14 cette semaine du défi Soyons le Changement. Cette semaine, je me retrouve au Québec, à Saint-Jérôme, tout juste avant une de mes conférences. Tout est toujours parfait. Et cette semaine, le défi que je vais vous proposer, c'est d'arrêter d'essayer de contrôler ce qui est. Hein? Vous savez, le titre de mon livre, c'est « Tout est toujours parfait », l'art d'accueillir ce qui est. Et aujourd'hui, on vient juste d'être challengé. Ça fait à peu près 15 minutes de ça. Vous savez, on est en tournée de conférence partout à peu près dans le monde. Et puis, on arrive à Saint-Jérôme dans une ville où est-ce qu'on est déjà sold out. Là. Tous les billets sont vendus, mais on teste une nouvelle salle pour cette fois-ci. Et on n'est pas venu visiter la salle. Puis on est sur l'heure de pointe où est-ce que la rue est quand même passablement bloquée pendant l'heure de pointe. On a un camion, on a une remorque. Il n'y a pas de place pour stationner notre camion ou notre remorque. Et on arrive à la salle, et la salle elle a 63 marches pour pouvoir monter dans la salle. Et on a environ 50 boîtes, des t-shirts, des bouteilles, des livres, plusieurs choses à transporter. Et là, ça fait comme, tout le monde, on fait comme, « Oh my God, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? » On a peut-être fait le mauvais choix de salle. Et en même temps, dedans de moi, ça me faisait rire parce qu'on s'en vient faire la conférence, tout est toujours parfait. Et c'est un peu ce que je dis dans les conférences, c'est-à-dire que si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Vous savez, quand on pense qu'on peut tout contrôler, qu'on pense que ça va toujours se passer comme on pense, mais on se met le doigt dans l'œil, pas à peu près. Et souvent, je dis, c'est le con qui contrôle et le maître maîtrise. Le con contrôle et le maître maîtrise. Comme combien parmi nous, on aurait fait comme, ça n'a pas de bon sens, t'as-tu vu la salle qu'on a pris, on s'est trompé, c'est vraiment pas la bonne affaire. Et on aurait été dans une énergie de merde, en fait, d'une certaine façon. Et on aurait peut-être porté l'énergie de merde pendant tout le restant de la soirée. Et ça aurait eu un impact sur la conférence, sur la soirée, sur l'énergie, tout ça. Au lieu de ça, mais moi et mon équipe, on a décidé d'en rire, de rire. OK, gang, c'est pas grave, on va faire des pop, on va monter 50 boîtes. Passez-y, mettons, grosso modo, 50 marches avec environ, mettons, 40. 50 boîtes peut-être qu'on monte, ça fait des marches pas à peu près, donc on est tous soufflé un peu. Ça a été bon pour mon petit bedon, hein? On va commencer à perdre le petit bedon, mais ça m'a inspiré mon vidéo Soyons le changement de la semaine. Est-ce que dans la vie de tous les jours, vous cherchez à contrôler? Hein? Vous êtes déçu de ce que vous vivez, vous aimeriez avoir des résultats différents, puis on cherche à contrôler. Et à chaque fois que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme je veux, ben ça me fait rire à quelque part, parce qu'il y a peut-être le petit François qui avait envie de chialer, qui avait envie de rouspéter, qui est déçu, puis non, embarquons pas là-dedans, soyons plus conscients, plus éveillés, plus élevés un peu que ce qui est en train de se passer. Peut-être se dire, mais on se prend peut-être trop au sérieux au travers de tout ça. On va prendre le temps, si ça prend 15 minutes, ça prend 20 minutes de monter les boîtes. On va prendre 15 minutes, on va prendre 20 minutes pour monter les boîtes tout le monde ensemble. Et ça va faire du contenu pour ma gang, Soyons le Changement. Alors cette semaine, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans. Est-ce que tu as tendance à contrôler dans la vie? Et est-ce que tu pourrais te dire, bon ben, OK, le con contrôle et le maître maîtrise, et cette semaine, être au défi d'arrêter de chercher à contrôler ce qui est. Parce que vous savez, quand on cherche à contrôler ce qui est, mais on tue toute la magie. Quand on cherche à ça se passe tout comme on veut, on est toujours en train de tuer la magie de la vie. On n'a aucune idée ce qui va se passer dans la salle qu'on va vivre avec 250 personnes ce soir. It's a process, gang! Amusons-nous, arrêtons d'essayer de contrôler. C'est ça le défi Soyons le Changement de cette semaine. Arrêtez de vous prendre au sérieux, arrêtez de contrôler et laissez la magie de la vie vous impressionner. Alors j'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous aimez les défis Soyons le Changement, n'hésitez pas à vous inscrire à soyonslechangement.com. Très bientôt, on va avoir un webinaire exclusif pour tous ceux et celles qui se sont inscrits à soyonslechangement.com. Vous avez accès à toutes les capsules vidéo à chaque semaine et ceux et celles qui ont déjà passé. Et si vous aimez ça, bien, partagez pour vos amis. Puissent être dans notre communauté de leaders conscients qui ont envie de faire une belle différence dans le monde. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et n'oubliez jamais, le con contrôle et le maître maîtrise. Bye tout le monde!